230,7 km au programme de ces championnats de Belgique à Isegame. Et tout d'abord, eh bien, dans la grande boucle initiale, 11 coureurs vont constituer une belle échappée avec Van Aert, Van der Sande, Van Hooijdonk, Lampaert, Gianni Vermeersch, Florian Vermeersch, De Potter, Van Gestel, Wallace, Marchand et Sepp van Marcke. Derrière, les équipes Alpecin pour Philipsen et Soudal Quickstep pour Merlire sont obligés de rouler, tandis que devant, ils ne sont plus que deux à moins de 60 km de l'arrivée, Van Aert et Lampaert, mais Lampaert ne collabore pas puisque Van Aert est beaucoup plus rapide que lui au sprint. Et donc les deux hommes sont repris à 28 km du terme, et dans le dernier des 4 tours de circuit à Isegame, ils sont 9 à s'extraire du peloton principal, de Venijs, Evenepoel, Segaard, De Buys, Teuven, Kampenaerts, De Bont, De Vult et Benoot. Et on va assister à une attaque de Remco Evenepoel à moins de 10 km de l'arrivée, suivi par un autre gros talent du contre-la-montre en Belgique, Alec Segaard. Et ces deux hommes vont s'entendre, même si Remco Evenepoel va avoir surtout la pression dans les derniers kilomètres. Mais finalement, le champion du monde, troisième en 2021, va se montrer le plus véloce et va décrocher le titre de champion de Belgique sur route devant Segaard, tandis que Steven prend la troisième place devant Benoot, De Buys, De Vult, Kampenaerts, Dupont, Van Asbroek et Van Kasbulk. Ciao tout le monde.